aussi. Mon torse bombe, marteau, poitrine. Ma fièvre tombe, ma tête aussi. Mon torse bombe, marteau, poitrine. J'angoisse.
En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. Car mon adolescence était si ardente et si folle que mon cœur tour à tour brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Puis, tout à coup, les pigeons du Saint-Esprit s'envolaient sur la place et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros. Flambé. Il n'y a plus que les cendres continues.
la pluie qui tombe, la tourbe qui se gonfle, la Sibérie qui tombe, les lourdes nappes de neige qui remontent, et le grelot de la folie qui grelotte comme un dernier désir dans l'air bleu. Le train palpite au cœur des horizons plombés, et ton chagrin ricane. Les inquiétudes, oublie les inquiétudes. Toutes les gares lézardées obliques sur la route, les fils télégraphiques auxquels elles pendent, les poteaux grimaçants qui gesticulent et les étranglent. Le monde s'étire, s'allonge et se retire comme un accordéon qu'une main sadique tourmente. Dans les déchirures du ciel, les locomotives en folie s'enfuient. Et dans les trous, les roues vertigineuses, les bouches, les voix, et les chiens du malheur qui aboient à nos trousses. Les démons sont déchaînés, ferrailles, chocs, rebondissements. Nous sommes un orageux, le crâne d'un sourd. Et au bout du voyage, c'est terrible d'être un homme avec une femme. Il y a des trains qui ne se rencontrent jamais, d'autres se perdent en route. Car je suis encore fort mauvais poète, car l'univers me déborde, car je ne sais pas aller jusqu'au bout, et j'ai peur. J'ai vu les trains silencieux, les trains noirs qui revenaient de l'Extrême-Orient et qui passaient en fantôme. Et mon œil, comme le fanal derrière, court encore derrière ces trains. À Talga, 100 000 blessés agonisés faute de soins. J'ai visité les hôpitaux de Krasnoïarsk et à Khilov, nous avons croisé un long convoi de soldats fous. J'ai vu dans les lazarets les plaies béantes, les blessures qui saignaient à pleines orgues, et les membres amputés danser autour ou s'envoler dans l'air rauque. L'incendie était sur toutes les faces, dans tous les cœurs. Des doigts idiots tambourinaient sur toutes les vitres, et sous la pression de la peur, les regards crevés comme des abcès. Dans toutes les gares, on brûlait tous les wagons. Et j'ai vu des trains de 60 locomotives qui s'enfuyaient à toute vapeur, pourchassés par les horizons en rute, et des bandes de corbeaux qui s'envolaient désespérément après disparaître dans la direction de Port Arthur.